Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube Yasara. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà ça fait un moment que je n'ai pas posté des vidéos sur ma chaîne. Je tiens à m'en excuser, ça fait... je suis désolée. j'ai toujours pas de raison vraiment valable pour compenser en fait pour... compenser mon manque de disponibilité sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'ai vue. C'est un sujet très d'actualité que j'ai vu et je me suis dit il faut vraiment que je vous en parle, faut que je vous mette en garde par rapport à ces phénomènes là qui ne cessent de grimper au Canada. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, une fausse université essaie d'arnaquer les étudiants étrangers. Il y en a d'entre vous qui ont été victimes. Alors, ça, comme je l'ai dit, certains d'entre vous en ont été victimes. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est super important de vous renseigner sur les établissements d'enseignement désignés avant vraiment de postuler sur un site quelconque. Et l'immigration met sur leur site un lien qui vous permet de reconnaître votre université. Si votre université ne fait pas partie de la liste des établissements d'enseignement désignés, sincèrement, n'envoyez pas votre demande d'admission. Ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas reconnu par le gouvernement. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, voilà, je mettrai les liens de cette section-là du site du gouvernement en barre d'informations. N'hésitez pas à aller regarder, s'il vous plaît. C'est super, super important. Alors, comme je l'ai dit, certains d'entre vous en ont été victimes. Donc, je voudrais en parler aujourd'hui et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, let's go. Encore une fois, j'ai pas vraiment eu le temps de lire l'article complet au travail. Donc, j'ai préféré le faire juste after the job pour ne pas que j'oublie en fait. Parce que ça m'arrive des fois de penser à des idées au travail. Mais une fois que j'arrive à la maison, I'm like, what am I going to do? Je suis vraiment perdue. Donc là, je vais vous lire les sites directement. Ils disent qu'une fausse université québécoise tente d'appâter les étudiants avec un site internet forgé de toutes pièces qui essaye de leur soutirer 500 $, guys. Ce n'est pas 50 $, on parle de 500 $ pour un test d'admission. Après, ils disent que l'Université internationale du Québec, ça s'appelle Université internationale du Québec à Boucherville, publie sur son site des photos d'étudiants qui déambulent sur son campus fictif. Donc, elle prétend qu'elle compte que l'université en question prétend qu'elle compte 41 000 étudiants et une offre de formation de pointe. Pourtant, c'est de l'arnaque pure et simple. Donc, elle précise ses faux programmes d'études d'ingénierie, de gestion, de droit, de mathématiques, hôtellerie, la restauration, la langue, ainsi de suite. Et elle donne des informations sur son corps professionnel fictif. Donc, dans le fond, c'est une très fausse université. Ne vous laissez pas avoir par l'université. Elle s'appelle l'Université internationale du Québec à Boucherville. Dès que vous le voyez passer, n'appliquez pas, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas avoir par cette université. Ils disent qu'elle invite les intéressés à payer 500 $ pour un test d'admission. Et les frais de scolarité s'élèvent à 5 000 $. Voici un point qui m'a assez choqué dès que je l'ai vu. Ils disent que le site de l'université en question consacre d'ailleurs une section aux étudiants internationaux et les invite à composer un numéro de téléphone où on leur promet qu'ils seront contactés dans un délai d'une semaine. Guys, je vous ai toujours dit que les demandes d'admission, ça prend du temps. Et là, on dit que l'arnaqueur, il vous donne un délai d'une semaine. Vous qui êtes toujours rapide, qui voulez la facilité, là, je pense qu'une semaine, c'est bon pour vous, en fait. Parce que vous n'aimez pas tout ce qui est, là, qui prend un mois ou encore qui prend vraiment assez de temps. Donc là, il vous propose une durée d'une semaine. C'est pas normal. On n'est pas dans la réalité, c'est du fictif, les gars. Ouvrez les yeux. Et ils disent que le journal Le Soleil a appelé le numéro en question.
et c'est une ligne de très mauvaise qualité. Je pense que là, on est rendu à un niveau d'arnaque élevé, très très élevé. Ils disent, comme je le disais, le soleil a contacté, c'est une ligne de très mauvaise qualité et c'est un homme qui avait du mal à parler français. Et voilà, donc ils disent aussi que jusqu'à maintenant, le service de police de l'agglomération de Longueuil, qui couvre la ville de Boucherville, n'a pas reçu de plainte au sujet de l'UQ machin, là, l'université en question. Mais il y en a certains qui ont été arnaqués par des universités de ce genre-là. Donc c'est super important de vous assurer que l'université que vous voulez postuler, que vous voulez venir fréquenter au Canada, existe réellement, parce que ça existe des fausses universités, ça existe des arnaques, ça existe. Donc voilà, c'était juste une vidéo comme ça pour vraiment vous mettre en garde. Faites attention guys, faites attention. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo comme ça, juste pour vous mettre en garde par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Canada. Donc c'est un article qui date de février, je vous l'ai fait en mars, je suis sincèrement désolée, ça prend du temps. Mais l'article date du 25 février, ça fait à peu près 2 semaines. Donc faites vraiment attention, assurez-vous d'avoir des bons liens, d'avoir des universités, de postuler, pardon, dans des universités qui existent réellement. N'hésitez pas à aller sur le site de l'immigration pour voir si ça existe vraiment sur la liste d'établissements d'enseignement désignés du Québec ou du Canada en général. Donc c'est vraiment important que vous regardiez tous ces aspects-là avant de postuler et avant de dépenser autant d'argent. On parle de 500 $ d'admission, c'est énorme. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et que vous pourrez la partager à votre entourage, partager la vidéo à ce que pour que tout le monde, en fait, toutes les personnes soient vraiment au courant de ce point-là. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, partager, partager la vidéo au maximum à toutes les personnes qui pensent pouvoir venir étudier au Canada et qui se cherchent une université sûre et certaine. Ne vous faites pas avoir par cette soi-disant université internationale de Boucherville. Soyez très prudents et d'ici là, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, vous et vos familles. On s'est dit à la prochaine pour ma part. Je vous aime gros, gros, gros. N'arrêtez pas de vous abonner, même si je ne suis pas présente sur les réseaux. Mais je remercie les personnes qui continuent à garder ce lien avec moi, me contacter par courriel. Ça me touche vraiment énormément. Et voilà. Bon, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, 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 bye. On s'est dit à la prochaine pour un nouveau topic. Hein.